Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le cancer, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara poursuit ses rencontres d'information et de sensibilisation. Nous vous proposons de suivre les temps forts de sa rencontre dénommée Cœur à cœur. Au-delà des soins par la chimio et la radiothérapie, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara CNRAO, c'est aussi un suivi psychologique. Une tâche dont s'est chargée le docteur Judith Didi Kouko Koulibaly, directrice générale du centre, lors d'un échange avec les patients de l'hôpital. Elle a présenté l'institution dans sa mission de lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, tout en soulignant quelques innovations majeures, se composant d'un plateau technique à la pointe de la technologie, permettant une prise en charge plus rapide des malades. Elle a aussi insisté sur l'aspect social de l'institution, notamment la possibilité d'être soigné avant des paiements échelonnés. La gratuité et la réduction des coûts des médicaments, le suivi psychologique des personnes atteintes de cancer, ces mots rassurent, le cancer peut être guéri ou réduire à une maladie chronique. Donc nous avons, vous l'avez vu, nous avons présenté beaucoup d'innovations qui ont été mises en place dans le cadre de la lutte contre le cancer ici au CNRAO depuis l'ouverture. Certains patients viennent mais ne sont pas forcément informés de tout. Et il était important pour nous de leur présenter ça, mais surtout de leur répéter que le cancer n'est plus une fatalité et que cet établissement public qui a été mis en place par l'État de Côte d'Ivoire est venu contribuer à renforcer l'offre de soins dans la lutte contre le cancer, pour augmenter le taux de guérison, à défaut de guérison, transformer le cancer en maladie chronique. Mais parce qu'on sait que c'est une maladie difficile, il y a toute une activité d'accompagnement, de soutien psychologique, de sport, d'esthétique. Pendant ces échanges, elle a pu recueillir les préoccupations des patients de l'hôpital, des préoccupations qui devront permettre au CNRAO d'améliorer ses services. Alors, moi, la proposition que j'ai faite est qu'ils voient un peu ce côté pour alléger le coût de ces médicaments. Par exemple, on te fait la chimio. Après la chimio détruit le globule blanc. Après la chimio, tu n'as plus de sang. Il y a une autre piqûre qu'ils vont te prescrire qui coûte 100 et quelques mille. Tout cela, ça revoit. Ça revoit. Parce qu'ils ont dit qu'ils font du social. Donc, vraiment, qui se penche un peu sur ce côté-là. Rappelons que le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara est le premier hôpital public de Côte d'Ivoire destiné aux malades du cancer.